Les châteaux du professeur Catastrophe en Jap. Bon bah c'est reparti. Ils eurent retrouvé Nonda Globule, le manoir du désespoir et la cible d'une infestation d'illusions. Va vite récupérer mon révéloscope dans mon laboratoire pour les dissiper. Dis-moi Luigi, tu connais ce proverbe qui dit qu'il faut pas se fier aux apparences? C'est d'autant plus vrai dans notre situation, parfois la réalité laisse place à les illusions. Y'a quelque chose que j'aimerais te montrer. Ah, le révéloscope. C'est une nébulosphère, une entité paranormale qui a la faculté de tisser des illusions. Et je crois que quelqu'un a libéré un grand nombre de ces entités dans le manoir du désespoir. Ça expliquerait pourquoi certains objets, y compris des armures, ont semblé disparaître. Je dis bien sembler, car en vérité, ces objets sont toujours sur place. Pour nous aider à y voir plus clair, j'ai mis au point un accessoire unique pour l'Ectoblast 5000. Je l'ai appelé le révéloscope, il permet de dissiper les illusions et de voir l'invisible. Cependant, cet accessoire est toujours dans le laboratoire et les fantômes sont trop agressifs pour que j'y retourne. C'est donc à toi que revient l'honneur d'aller chercher cet accessoire exceptionnel. Ah, Luigi. Le révéloscope devrait être posé sur son chargeur. Tu devrais l'utiliser dès que tu l'auras trouvé. Bien, je vois sur les lieux. Allez, Luigi, prépare-toi pour la télépixelisation. Et c'est reparti. Ah, il y a encore une armure qui a disparu, hein. Ok, bon, on va foncer un petit peu, je pense. Oh, elles sont de retour! Ok... Eh ben, allons-y. Ah. Oh, et bah plus de porte. Ah, plus de porte. Ça, c'est les bruits de boue, ça, je reconnais. Alors, c'est bien, mais comment j'y vais maintenant? Ça mène là, mais on s'en fout. Ah, je sais pas, peut-être par l'étage supérieur en vrai. Ah, ok, d'accord. Est-ce que j'ai la berlue? La porte du laboratoire a disparu, pas vrai? C'est sûrement à cause des nébulosphères qui se trouvent à l'intérieur. Elles vont tenter de maintenir cette illusion. Je suis persuadé qu'il existe un autre moyen d'entrer dans cette pièce. Ouais, bah oui, merci, connard. Je vais tenter par l'étage, écoute. Oh non. Ils vont me refaire le coup de l'escalier, là. Ouais. Ils m'ont refait le coup de l'escalier, encore, hein. Oh, attends. Oh,
Dommage, j'ai pas eu l'autre. Bon, viens là, toi. Putain! C'est dur d'en avoir deux en même temps, deux, je trouve. Allez hop, viens là toi aussi. Voilà. Bon, moi comme dit, je pense qu'il faut aller... Je pense en toute logique, faut voir par là. Et regardez, t'es 9h28. Bon, je crois que j'ai réussi, je sais pas comment, mais j'ai réussi. Regarde, ça brille! Oh là là. Attends, mais il y a juste à faire ça en fait. Ok. Voilà, ça c'est un autre pattern. Faut lui virer ses lunettes et il fait plus rien. Révéloscope qui est également dans Luigi's Mansion 3, hein, du coup. Et j'aime beaucoup le Révéloscope, personnellement. Luigi, l'occultographe, ne détecte aucune trace de celui qui a libéré les nébulos. Attends un peu, c'est bien ce que je pense. Mais oui, t'as trouvé mon Révéloscope. Beau travail, mon garçon. Et c'est là en appuyant sur Y, je suis sûr qu'il y a des illusions par ici. Ah bah oui, voilà, maintenant le bouton Y, il sert à quelque chose. Et d'ailleurs, je crois que... Alors, je sais plus si c'était le cas dans la version originale. Enfin, dans Luigi's Mansion 3. Mais si on laisse le truc trop longtemps, il surchauffe. Donc voilà. Ah, et ensuite, il y a juste à récupérer tout ça. Et puis voilà! Ouais, j'ai l'impression que le révéloscope, il a une faible durée, en vrai. Et maintenant, c'est l'heure d'utiliser absolument partout, putain, mais... Bon travail, Luigi, tu as réussi à mettre les nébulosphères à la porte. Oh, 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 oh. Bref, tu te souviens de ce rire sinistre, mon garçon? Celui qui a libéré toutes les nébulosphères a l'air d'aimer s'amuser à nos dépens. Le cryptographe n'arrive pas à retrouver sa trace, alors je compte sur toi. Ah, je peux skipper les dialogues! Bah,
Luigi, pourquoi t'as l'air soulagé là? Oh là. Là, ah non, il y a rien ici. Ok. Par contre, je me souviens qu'il y a quelque chose ici. Hein. Genre là. Ah, pas du tout en fait. Je me souviens pas avoir vu. Ah, si, c'est la salle du truc. C'est la salle du piano. Hein. Voilà, ça là. Et ça, normalement, c'est une porte. Ah, c'est une porte fermée à clé, en plus. Bah, attends, attends, j'y retournerai un peu plus tard. J'y retournerai un peu plus tard. Parce que je veux voir s'il y a... Je vais voir s'il y a d'autres trucs en fait. Mais Luigi, mais qu'est-ce qu'il a là? Là, je sais qu'il y a un truc là. Voilà. Ok. Par contre, il y avait, je me souviens, un tableau avec une gemme, il me semble. Je crois aussi que je revois ça. Et là, il y a quelque chose. Ouais. Là, c'est vraiment plein de détails à faire attention en vrai. Ah, nonos. Alors là, il y avait une armure aussi. Voilà. Ne jamais cracher sur l'argent, les enfants. Ah voilà, là, il y avait aussi un truc en plus. Ok. On peut être peut-être dehors. On sait jamais, hein. On ne sait jamais. D'ailleurs, je crois que là, j'ai absolument tout maintenant. Hein. Ah! Vous voyez que j'ai eu raison là de revenir en arrière. Forcément quelque chose aussi. Genre pas toi. Rien du tout. Ah, il y a forcément quelque chose ici.
biche, elle a disparu. Oh, la niche de Dogo, elle a disparu. Oh, what? Oh, j'ai aucun souvenir de ça. Oui, et je dois faire quoi en fait? Ah putain. J'ai aucun souvenir de ça, je vous jure. Hein. Bon après, est-ce que je suis censé être surpris dans un jeu Luigi's Mansion, sachant qu'il aime bien nous faire traverser les dimensions et tout? Voilà. Hein. Bon, la suite. Est-ce que quelque chose manque ici? Pardon. Pardon. Mourez s'il vous plaît, mais vous êtes déjà mort. Oh mais ce traquenard là. Eh, je voulais juste Ah oui, bon, ça oui, c'était pour les chiottes, oui. Y'a rien ici, hein. Et rien ici. Ta da da ta da 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 da. Bah. Luigi. Quelque chose ici? Non. On aurait pu, j'aurais pu y croire. Hein. Je suis déjà allé dans cette salle. Ah bah oui. Rendez-moi l'heure. Là, il est quelle heure? Il est 9h41. Ouais. Il y a trop, il y a un truc ici, mais non. Ah non, ça je m'en fous en vrai, la flemme. Je sais toujours pas comment voir cette étoile dans le... Ah, il n'y avait pas un truc ici, là. Je sais plus. Déjà, là, si, je vois un truc, là. Non, pas ça.
Ok. Ah! Je disais bien qu'il y avait quelque chose ici. Et c'est peut-être une salle bonus, parce que je crois pas que ça soit là où il faut aller maintenant. Je sais pas en fait. Ah, ok, j'ai plus le droit de... Ah putain, c'était ici, mais maintenant j'ai plus le droit, fait chier. Ah, et là, c'est le sale bonus, du coup. Bah. Putain, je peux me voir par là. Oh, regardez-moi ça. Putain, c'était là! Oh là là! C'est sur la bonne voie, Luigi. Je pense que tu approches du but. Il se passe quelque chose dans la salle à manger. Trouve le moyen d'entrer dans cette pièce! Ouais. Bah, c'était là en fait. Mais du coup, je vais attendre un peu parce que. Attends, il y a un truc que j'ai pas vérifié là, je sais plus où c'était. C'était là, je crois. Ah, mais non, en fait, ça va être la suite logique là. Ça va être complètement la suite logique, je crois. Oui, ça va être complètement la suite logique. Ok. Oh, ça s'amuse là dans la cuisine. Voilà. Quelque chose ici. Je pense qu'il faut passer par la cuisine. Mais c'est bloqué. Oh! Ça c'est cool. S'il te plaît. Ah, ils sont un peu capricieux. Ah ok, il en reste plus qu'un. Voilà, et là, ça mène... Ici. Oh! Ah! Ok, c'est comme ça qu'on a l'étoile. Ah, c'est intéressant. Il y a un truc, non. On fait tourner. Voilà qu'un jour je fasse le manoir inversé d'ailleurs de Luigi's Mansion 1 en vrai, ce serait cool. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais... Il y a un perchoir là d'ailleurs. Oh! Bah alors, catastrophe, on fait des statues à son effigie. Oh!
Oh, regardez-moi le. Ah là là. Ok. Bon allez hop la suite là. Bon qu'est-ce que c'est que ça là? Oh putain. Qui c'est qui fout la merde en cuisine là? C'est pas impérialiste d'avoir des statues en son honneur. Wow. Merde. Merde. Bien. Bon ça on a déjà fait. Ça mène où ça déjà? Je sais plus s'il y a quelque chose à voir ici. Ah? Ça sert à quoi ça? Très bien. Ah, est-ce que je peux monter l'échelle? Non, je crois pas. Hein. Luigi, c'est pas monter les échelles. Hein. Est-ce que Luigi, c'est jouer du piano non plus? Hein. Bon, allez, hop. Bonjour. Ah. Allez, venez, venez, venez. Ça. Oh bon alors. C'est pas aussi drôle que dans que sur Luigi's Mansion 3. Tu vraiment tu le défonces. Hein. Il est sous la table. Il est sous la table. C'est bon là. Voilà. Oh. Hello.
Luigi, tout va bien? Nom d'agglomule, c'était à bout. Qu'est-ce que ce vil sacré pan pourrait bien faire ici? Heureusement que tu avais le révéloscope, sinon tu aurais eu de gros ennuis. Laisse-moi te sortir de là, tiens-toi prêt sur la technique civilisation. Voilà. Un bon petit mutant en vrai, et un 2 étoiles encore une fois. J'aurais certainement loupé des trucs, hein, mais bon. Extraordinaire! Le révéloscope a fonctionné bien au-delà de mes espérances. Ok, nouvelle gemme. Ah oui, des nouveaux fantômes. Bref. Ok. Ah, la tour hantée déverrouillée! Dans cette tour, de nombreux défis attendent tous les chasseurs de fantômes désireux d'affûter leurs capacités en collaborant. Ouais. Ce petit mode en ligne, voilà. Cela dit, la présence d'un bout dans le manoir des espoirs n'a rien de rassurant. Les bouts, quand ils sont en bande, sont de véritables fauteurs de troubles. Si tu en croises d'autres, je te conseille de les capturer au plus vite. J'ai préparé un conteneur spécial pour accueillir les bouts dans la chambre forte. D'ailleurs, j'ai une anecdote amusante à ce sujet. Est-ce que tu te souviens de mon portificateur ectoplasmique? Eh ben... Attends une minute, on dirait que le tuyau fait des siennes. Luigi, il se passe quelque chose d'anormal, les signaux provenant du manoir du désespoir sont... Il va falloir que j'étudie ça en détail, laisse-moi un peu de temps s'il te plaît.